1er septembre 2024, cérémonie du 80e anniversaire de la libération de nombreuses villes de France, mais aussi de Piquigny. Et avec nous, nous avons la chance, oui, d'avoir un enfant qui est né justement le jour de la libération de Piquigny, le 1er septembre 1944. C'est Jean-René Jacob. Bonjour Jean-René, heureux de vous voir à Piquigny. Bonjour Lionel, et mon ancien camarade de la communale. C'est vrai que Jean-René est né à Piquigny, son papa était grand directeur de la DDE, c'est ça, on dirait les produits chaussés aujourd'hui, et il est resté jusqu'en 1968, mais en 1940, il est actuellement le papa donc, la barrière, de Jean-René Jacob, et c'est le docteur Clairbon qui vous met au monde, c'est ça, hein? Voilà, Lionel, tout à fait, qui m'appelait le libéré après, quand j'étais jeune. Il s'appelait le libéré, c'est vrai, parce qu'il est né le jour de la libération. Vous devriez avoir une prime spéciale de l'État. Merci Lionel. Alors, c'est un enfant de Piquigny qui connaît le château comme ses poches. Hein, ah oui, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, oui, effectivement. Et vous êtes parti après travailler dans l'Aisne, chez Motomécane, c'est ça, hein. Devenu Yamaha il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que vos parents vous ont parlé de ce 1er septembre 1944? Ils m'ont parlé surtout des gens qui étaient dans les souterrains du château, derrière les maisons de la place, il y en avait plusieurs, parce qu'on craignait une bataille. Oui, en fait, il n'y a pas eu de bataille, mais il y a eu malheureusement deux victimes qu'on a honorées pour les 75 ans. Monsieur Bayeux, sur la stèle est au canal, promotion faite par André Séé, qui nous a quittés d'ailleurs, et puis le maire de l'époque de la Chaussée-Tirancourt, Henri de Franqueville, qui a été tué par les Allemands en essayant de protéger des résistants d'Amiens qui arrivaient. Il y a eu deux victimes, et puis les Allemands sont partis. Et Amiens, Piquigny, Abbeville ont été libérés par les Anglais et les Canadiens. Ce 1er septembre 1944, il y a eu plus de victimes que de naissances, puisqu'à ma connaissance, oui, c'était rare. Oui, exactement, il n'y a pas beaucoup de naissances. Et vous êtes heureux aujourd'hui de revenir à l'invitation de la municipalité de Piquigny. Je remercie Jean-Pierre Delory, Lionel et José Herbé de continuer les amitiés. Et fasse que vous reveniez souvent à Piquigny. Merci Lionel.